Cette langue élamite a été notée principalement par deux systèmes d'écriture. Un système d'écriture proprement, on va l'appeler iranien, qui a été développé sur le plateau iranien et qui se présente sous une forme ancienne, on appelle les tablettes proto-élamites, à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ, et sous une forme récente, que l'on appelle l'élamite linéaire, donc entre 2300 et 1900 avant Jésus-Christ. Et à un moment donné, les scribes élamites, donc moi j'aime pas trop ce terme d'élamite, mais je vous dirai pourquoi, mais les scribes élamites ont, à cause de l'influence culturelle mésopotamienne, ont basculé d'un système d'écriture, le leur, vers un système d'écriture importé, étranger, mésopotamien, cunéiforme. Et cette transition, cette bascule s'est passée, qui est une période très intéressante, sûrement d'un point de vue intellectuel, s'est passée entre 2050, 2000 et 1900 avant Jésus-Christ. Là, on a des inscriptions et en langue élamite, et en cunéiforme, et en élamite linéaire. Et en l'état actuel des données, l'inscription en élamite linéaire la plus récente, elle date du souverain Pallai Shan, qui a régné vers 1900-1880 avant Jésus-Christ. Et c'est la date à laquelle ce système d'écriture proprement iranien, donc l'élamite linéaire, a disparu. Et depuis, et à partir de 1880, donc le deuxième millénaire avant Jésus-Christ, le premier millénaire avant Jésus-Christ, cette langue n'a été notée que par le système cunéiforme. Comment expliquer le changement, le passage de l'écriture élamite linéaire à l'écriture cunéiforme? Donc je pense qu'il y a deux phénomènes historiques parce que l'élamite linéaire est attesté à l'heure actuelle dans toute la moitié sud de l'Iran. Donc ça va du sud-ouest de l'Iran jusqu'au sud-est de l'Iran. Il se passe au début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, il y a deux phénomènes complètement indépendants, mais du moins contemporains. Tout l'est de l'Iran, l'Asie centrale et la civilisation de l'Indus, au début du deuxième millénaire, s'effondrent. Donc toute la civilisation urbaine, et donc les scribes, et donc l'écriture, disparaissent. Ça, c'est la principale explication pour rendre compte de la disparition de l'élamite linéaire dans le sud-est de l'Iran. Fin de la civilisation urbaine. Dans le sud-ouest de l'Iran, qui continue à cette époque-là et qui va même atteindre un apogée, là, on a l'autre explication, c'est, je pense, c'est l'influence culturelle mésopotamienne, où donc les scribes vont passer de leur propre système d'écriture à un système d'écriture qui avait déjà commencé à se diffuser en Syrie, ça commençait à arriver dans le plateau anatolien actuel et même dans le golfe Persique, donc c'était le système d'écriture qui était en vogue à cette époque-là, un petit peu comme l'alphabet latin à l'heure actuelle, qui va servir à noter des langues, par exemple comme la romanisation des signes chinois. Ou par exemple, comme l'arrivée de l'alphabet latin en Turquie en 1928, avant ils notaient leur langue avec l'alphabet arabe. Donc je pense que le cunéiforme au début du deuxième millénaire, c'était un petit peu comme l'alphabet latin au XXe siècle, importance culturelle, et qui va, pas forcer, mais qui va inciter les scribes iraniens à passer de leur propre système, qui était mieux adapté à leur langue, au système qui était international à l'époque.